Oh, trop bien, les films qu'on va regarder ce soir, j'ai adoré. Moi aussi. Et la semaine passée, moi, je regardais La Guerre des Boutons, et toi? Moi, j'ai regardé Koh-Lanta. Et pourquoi t'as pas regardé? Parce que ça faisait trop penser avec mon frère. Mais t'as rien, va. Mais si, regarde. Ah ouais, c'est moche. C'est gentil, Katia. Mais je peux. Mais c'est pas grave. Mais si. Mais regarde. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah ouais, t'as quoi faire? Ah, moi, j'ai des rats. Oh, hé, les copains, regardez là-bas. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça ressemble à une goutte d'eau. Je vais essayer d'aller lui parler. Bonjour, petite goutte. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu triste? D'où viens-tu? Je suis triste car je vois que dans les pays du Nord, les enfants ne se rendent pas compte du gaspillage qu'ils produisent en ne fermant pas les robinets dès qu'ils ont fini d'utiliser l'eau. Mais également en voulant acheter des fruits hors saison, en achetant souvent des produits qui ne leur sont pas utiles, en ne réfléchissant pas à leur impact sur l'environnement. Nous, nous n'allons pas faire ça avec toi. Viens avec nous, nous allons te montrer à quoi tu vas nous servir. Oh oui, d'accord. Allez, Bumba. Camara, aurais-tu de la patience de me faire des traits sur toute la tête? Je sais pas, faut voir le temps qu'on a. Tu sais, Camara, je suis triste car mon pays me manque. J'ai envie d'y retourner. Ah, c'est dommage, mais si tu veux retourner, nous allons faire une lettre. Velena, Dumba, Adulaï, venez ici, et toi aussi. Nous allons faire une lettre pour la petite goutte car elle veut retourner dans son pays, mais qu'on ne peut pas la laisser partir comme ça. Asseyons-nous pour discuter de ça. Cher Enine et Laurent, une petite goutte est venue chez nous en pleurs. Et on pourrait dire car vous la gaspillez de trop. Chouette idée. Elle nous aide à manger et à boire. Et surtout à cultiver. Bien, ça c'est bien, Mumba. On pourrait aussi rajouter que nous, on ne doit pas ouvrir les robinets pour avoir l'eau. Elle est marre, c'est bien ça. Chère Eline et Laura, cette petite goutte vient de chez vous. Elle est arrivée chez nous en pleurs. Elle était triste car vous gaspillez trop d'eau. Et vous ne vous rendez pas compte de son importance. Chez vous, tout est facile. Dès que vous ouvrez le robinet, l'eau coule directement, chaude ou froide selon votre choix. Tandis que nous, pour avoir de l'eau, nous devons nous rendre au puits tous les jours. Nous devons la transporter et elle est toujours froide. Nous vous envoyons la goutte d'eau qui souhaite rentrer en Europe car vous lui manquez. Prenez bien soin de cette petite goutte. Ne la gaspillez pas. C'est extrêmement important. Sans elle, on ne peut pas vivre. On serait déshydraté. Sale, on ne pourrait pas préparer à manger. Oui.